Et bonjour les amis, une très bonne et heureuse année, et la santé à vous surtout. Eh ben, bonne résolution 2024, on va essayer de reprendre. Malheureusement, la vie a voulu qu'en fin d'année, je puisse plus en faire. Donc on va reprendre tranquillement, là le dos c'est pas top, mais on va voir ce que ça va donner. De toute façon, à 95 kg, il n'y a pas le choix que de se remettre à faire du sport. Et comme il n'y a que le VTT que j'arrivais encore un petit peu à faire tranquillement, eh ben on va essayer de reprendre tranquillement. Allez, ça part de là. Allez, ça part de là. 400 mètres, j'ai déjà mal aux jambes. On va suivre un petit peu les copains, on est venu leur dire bonjour, c'est ce qui m'a forcé à sortir, du coup ça m'a donné un truc, et puis après on va rouler tranquillou, voir ce qu'on peut faire. Allez Jekyll, on a retrouvé le Dédé. Ah, il y a une plaque, il est là. Je me suis dit chouette, il y a Dédé, on va reprendre tranquillement. Non, il est passé sur un VAE. Donc c'est mort, voilà, tant pis. Allez, ben, on est dans la montée, on attaque. De suite là, je vois mes objectifs revus à la baisse. On va déjà essayer d'arriver tout en haut. Et puis, après je pense qu'on fera une belle petite descente. Et puis, pour une reprise, ça ira. Pour ceux qui prennent en route, eh ben, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Bon, ben, on est dans les bonnes résolutions 2024 à reprendre un petit peu le sport. Surtout qu'à 95 kg sur la balance pour 1m72, c'est... Je vous fais pas un dessin sur le pachyderme qu'il y a sur le VTT là. Pour mon dos, ça va pas terrible non plus, donc il n'y a pas le choix. Voilà, bon, je suis désolé, j'ai pas trop communiqué en cette fin d'année, pour vous dire ce que je faisais, ce qui m'arrivait, machin. Voilà, j'ai pas passé une très bonne fin d'année comme ça. J'ai perdu mon grand frère et ça m'a un petit peu coupé dans mon élan de tout ça, quoi. Voilà, donc... c'est toujours pas top, mais j'espère que en arrivant à m'évader un petit peu là-dedans, quand je souffrirai plus, ça ira mieux, un petit peu mieux moralement. Bon, allez, voilà, j'ai un peu plombé l'ambiance là. Allez, regardez-moi ces beaux paysages. Ça, c'est toujours ça de prix. Allez, on s'accroche jusqu'en haut. Bon, les copains sont revenus me chercher. Fait du bien, on blague un peu. Parce que c'est dur. Pour moi, là, c'est très très dur. On s'accroche. Oh, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Dur, dur, dur. Enfin, on est presque en haut. Allez, qu'est-ce qui annonce qu'on est presque en haut? Je peux vous montrer la mer là-bas derrière moi. Je sais pas si vous voyez bien. Il fait beau, il fait pas froid. Pour ça, on est top. On est topissime. Allez, on est enfin en haut. 7 km 65, 251 mètres de dénivelé, donc ça va, c'est normalement une montée tranquille, mais pour moi ça a été dur. Donc là les copains, ils sont partis faire le tour habituel sur la gauche, mais comme une belle descente en DFCI, enfin, j'ai peur d'aller sur l'autre versant et de ne pas arriver à rentrer. Alors du coup, moi je suis parti sur la droite, comme ça je reste sur le même flanc de colline. Je vais dérouler un petit peu. Bon, je ne veux pas vous mettre en vidéo, histoire de tourner un petit peu les jambes, et puis après je fais demi-tour sur le même trajet et je vais récupérer une petite descente sympa pour rentrer, et puis voilà. Écoutez, c'est toujours ça de prix, et tranquillement
Allez, pour la descente, ça part de là. On va essayer de descendre sans se casser la, sans se casser la gueule. Enfin, j'ai dû faire 2-3 km à aller et 2-3 km retour en plus, du coup. Pas si mal. Je me rappelle même plus comment on fait du vélo. Comme je suis pas à l'aise. Oh, ça, ça passe sur le vélo. Mais je me sens pour. Allez, je coupe pas. Hein. Comme ça, vous voyez vraiment mon état actuel. Ah, manger les branches. Vitesse là-dedans, sinon c'est casse-gueule. On se force. Même si on a un petit peu peur, pourtant il n'y a rien. Mais je suis pas à l'aise. Allez, c'est la reprise, c'est pas grave, c'est normal. C'est cadeau. Tout droit. Ah, putain. Ah, ça fait du bien de s'aérer un peu l'esprit. Alors, même si là j'ai un petit peu peur parce que je suis pas à l'aise, ça fait quand même du bien. Ça fait du bien. Vous voyez mes réglages de suspension, je pense que j'ai un tout petit trop gonflé l'arrière. J'ai gonflé à l'arrache, donc j'avais pris du poids. Et je pense que je peux enlever un petit peu. Ah. Oh. Bon, j'espère que vous serez content de me revoir un petit peu, enfin, du moins sur cette vidéo. J'espère que ça va pas faire comme d'habitude et que cette fois-ci je vais accrocher. Mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir de revenir avec vous, la petite poignée qui communiquait un petit peu avec moi sous les vidéos et tout ça. Ben, ça me fait plaisir de vous revoir, et en tout cas encore désolé de pas trop communiquer quand je suis absent, mais franchement j'avais besoin de couper. Voilà, allez, ben il n'y a plus qu'à dérouler maintenant jusqu'à la voiture tranquillement. Eh ben, nous voilà arrivés, ben, un petit total de 20 bornes et 300 mètres de dénivelé. Bon, sur le papier, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de fait pour une première. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Enfin, ce que je dis à chaque fois, il n'y a plus qu'à s'accrocher et continuer, mais bon, faut le faire. En tout cas, ça fait plaisir de revoir les copains. Et puis voilà. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.